jeunes d'une cité avec qui on travaille, les jeunes qui font leur service civique, eh bien, ils ont appris des choses pendant ce service civique qui sont très utiles aux entreprises. La première, c'est qu'ils se sentent insérés dans une organisation. Donc, ils ont appris à travailler dans un certain cadre qui est organisé, puisqu'une entreprise elle a besoin d'organisation pour pouvoir faire sa mission. Mais au-delà de ça, ils ont développé des qualités personnelles. Ces qualités personnelles, c'est l'ouverture, la capacité à s'adapter à des gens différents, à travailler dans des milieux différents. Là, ils ont aussi développé la capacité de travailler en équipe, parce qu'on peut pas travailler, ils n'ont pas travaillé tout seuls. Ils ont aussi se sont habitués à prendre la parole, à travailler en groupe, à trouver des compromis, à agir et à se mettre d'accord en équipe sur un but commun. Ça, c'est exactement ce qu'une entreprise attend aujourd'hui. Les conseils que je pourrais donner aux jeunes qui se lancent sur le marché du travail, tous les jeunes, mais en particulier ceux qui ont fait leur service civique, je pense que la première chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. La deuxième chose, même si on a confiance en soi, il faut être capable de s'insérer dans un cadre, il faut être capable d'être ouvert aux autres, il faut être capable d'écouter les autres, il faut être capable d'interagir, il faut être capable de travailler en équipe. Et puis la troisième chose que je pense qui est très importante, c'est avoir la volonté, la capacité d'apprendre et de s'améliorer en permanence. Voilà, donc je pense qu'avec cette confiance, je suis sûr qu'ils réussiront.